les viewers, c'est Marcus Bonus. Et je suis en culotte courte, chers amis, pardon, dans nouvel épisode de Dragon's Dogma Dark Arisen. Donc, chers amis, nous avions toujours donc Aphaenia de notre côté, Saphira ici, et Rook ici. Ça fait deux garçons, deux filles, c'est un groupe équilibré. Et non, on n'a pas le nain avec nous. Enfin bon, au niveau des quêtes, chers amis, donc, Morora, association de malfaiteurs, sud de Grand 6. Bon. On a surtout Mercedes, si je ne me trompe pas. Voilà. Cool, ta vie, des rumeurs courent sur l'insurgé, il paraît que vous contrôlez les pions, oui. J'ai ordonné à des pions de sortir leur lame et de m'attaquer, mais ils sont empotés. Contrairement à vous, je suis incapable de les appeler dans ce monde ou d'en faire des compagnons de voyage dignes de ce nom. Quelle magie permet de les commander? Peu importe. Le dragon s'est réveillé, toute aide est la bienvenue, qu'elle vienne d'un pion ou d'un insurgé, d'un pêcheur ou d'une marchande de poissons. Notre camp est à votre disposition, vous devriez vous reposer, se reposer. Bah écoute, un repos gratuit, moi je suis preneur. Heureux, chers amis, et là vous allez être très déçus. Il s'est passé que, au moment où en fait vous avez vu que je me suis couché dans les 1 minute 30 de vidéo là, je me couche, cinématique, qui n'est pas dans le jeu, qui stoppe complètement cinématique qui est dans le jeu bien sûr, mais qui ne fait pas partie apparemment de, comment dire, du contenu qui apparaîtrait dans la vidéo, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait au moment où la cinématique s'est passée, pour une raison complètement inconnue, tous les enregistrements sont arrêtés. Et du coup, moi j'ai continué à jouer pendant donc les trois quarts d'heure qu'il y avait derrière. Et il n'y a pas eu d'enregistrement de fait. Parce qu'en fait, le passage à la cinématique a coupé l'enregistrement, simplement. Donc vous avez raté plusieurs choses. Donc un combat, par exemple, face à l'hydre, donc qui fait suite en fait. Qui est un combat dans le campement. Hop, vous allez voir, hein. Je suis retourné au village de Cassardis. Donc au final vous avez pas raté énormément de choses. Donc juste ce petit combat là, qui est en fait un très petit combat, parce que il suffit de couper une tête, donc c'est pas grand chose pour tout simplement obtenir ce qu'on voulait, donc c'est à dire battre l'hydre, qui était en fait ici, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a plus de campement, vous voyez. Et donc la carcasse de l'hydre, normalement, non, on la voit même plus. Et donc en fait Mercedes, donc la fille en question, emmène en chariot, tout simplement, tout ce qui est, comment dire, tête de l'hydre, à la capitale. Et en sortant donc par là-bas, vous êtes atteint, enfin vous êtes, comment, le bonhomme de la ville là-bas, vous dit que Kina, donc votre ami du village, a tout simplement disparu. Alors bien sûr, comme le jeu n'inclut qu'une seule sauvegarde, vous voyez, hein, je ne peux pas revenir en arrière. Voilà, franchement, le gros point noir du jeu. Bonjour, tu es un vendeur. Améliorer. D'accord, on peut améliorer nos... pierres serpentines, d'accord, ok. Intéressant. Minerai antique. Écoute, vendu. Cap d'érudit. Bah tiens. Voilà. Enfin bref. Qu'est-ce que t'as sur toi d'ailleurs en fait? Une arête de cuivre, d'accord. Au niveau des armes, une pelle, une épée royale, donc ça je l'ai déjà. Bâton endurci, ça ne m'intéresse pas. Calot en cuir, ça pourrait être intéressant pour toi, l'ami. Alors maintenant je vais faire attention quand ça tourne, hein, c'est triste mais. Hop. Mais c'est comme ça. Ça, je vais le prendre. Ok, au niveau des gants, est-ce que t'as quelque chose? En prendre deux comme ça. Ah, on en a qu'un. On peut en prendre qu'un apparemment. Alors des bandes de cuir. Ça pourrait ne pas être mal.
On va mettre ça aussi. Et la cape d'épaule, est-ce qu'elle est mieux? Apparemment, oui. Donc je te la prends aussi. Voilà pour ce qui est de ce personnage. Hop. Jambière métallique, ça je peux te les prendre. Genouillère de novice. Pantalon d'ouvrier. Je le prends. Alors ici. On va rien prendre du tout. Calot de cuir, ça ne m'intéresse pas. Confirmé. Terminé. Voilà. Oui. Changer d'équipement, oui. Alors. Excusez-moi encore pour le bug, hein. Je l'ai pas vu venir non plus, je l'avoue. J'aurais pas dû l'améliorer alors, j'étais con. Ok. Ah, enfin un pantalon, ça, ça va nous aider. J'aurais peut-être pu prendre un habit aussi pour lui. Hop. Ok. Hop. Voilà. Et le petit calot de cuir. Mais bon, c'est pas grave. Quoique. Est-ce que t'as quelque chose d'intéressant à me proposer? Je prends ça. C'est parti. Et voilà. On ressemble un peu plus à un guerrier. Voilà. Bon. Je vais par contre enlever ma lanterne. Où est-ce qu'elle est l'outil? L'outil là. Est-ce que je peux poser? Voilà, parfait. Oui, donc le principal souci étant que... Alors oui, on a aussi ramené cette fille-là. Deux Cassardis à la base, simplement, hein. Il s'est rien passé à part qu'elle récupérait de l'or par terre tout le temps et donc il fallait ça, tout le temps s'arrêter. Voilà en gros ce qui s'est passé. Rien de plus chiant que de perdre du contenu. J'ai aussi été dans le puits et réalisé la quête des rats. Avec des monstres particuliers aussi à battre dedans, mais bon, c'était rien de bien épique, on va dire. En tout cas, encore une fois, je suis très déçu de ce changement de phase, entre guillemets, dans le jeu. Faudra vraiment que je fasse attention maintenant à chacune de mes Pourquoi jusqu'au soir j'ai fait? J'étais complètement con. Eh ben, je vais me recoucher 300, c'est pas grave, on va repayer 300. Oui, donc tout simplement parce que... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, pour éviter tout bug, oui, c'est ça. Je vais vérifier toujours le... Accès au serveur. Mais c'est quoi ce bordel avec le serveur? C'est chiant! Ou alors c'est ma connexion, Kanchi? Est-ce que quelque chose télécharge quelque part ou... Apparemment non. Alors, je suis complètement con, mais on va repayer 300. Voilà, et maintenant me fais pas chier avec le serveur, parce que putain. Ah, puis je veux pas faire d'ellipse, parce que si ça bug. Bon bah ellipse, on va tenter le coup, hein. Voilà, bon j'espère que ça a bien fonctionné au niveau de l'enregistrement cette fois-ci. Alors je vais pas continuer sa quête, donc alors on a donc Kina. Donc en retournant en fait tout simplement à Cassardis, on apprend, vous voyez, donc déjà j'ai récupéré quelques quêtes, donc il faut que je bute 24 chauves-souris géantes. Parler aux victimes de cette canaille, donc ça c'est une quête à faire à Cassardis, peut-être qu'on va la faire tout de suite d'ailleurs. Non, on la fera quand on reviendra. Disparu et réapparu, donc là elle se demande d'aller en fait tout simplement. Oui, région, ce serait mieux, non, tu veux pas? Bon bah écoute, va te faire entuber. Ça nous demande d'aller donc au bois de la sorcière, au bois des sorcières je crois. Ou à la forêt de la sorcière, bref, un endroit où il y a des arbres et des sorcières apparemment.
Donc on y va. En route. Je gagne un succès que j'ai pas gagné tout à l'heure, j'aimerais comprendre pourquoi. Alors, pourquoi il me dit d'aller par là-bas? Ah oui, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Donc vous voyez, on a des choses à faire. Ah oui, puis j'avais buté aussi quelques... Bah, de toute façon, on va aller les rebuter. Est-ce que c'est par là? C'est par là. On va pas les buter, tant pis. Donc vous voyez, là, en fait, on sort de... Là, dans cette grotte, en fait, ça nous mène là où on était, donc dans le puits, en fait, de Cassardis. Il y a des loups. Hop. Alors du coup, j'ai augmenté certaines de mes capacités, hein. Merci, hop. Waouh. Dégage. Dégage, hop, réflexe. Ah, je l'avais pas buté, bien joué. Hop. What? C'est quoi ce truc? Putain, c'était un gros loup ça. Je suis pas blessé moi personnellement. Oui, oui, bah écoute, on va te le laisser si tu le désires. Alors apparemment, il y a des choses là-bas à récupérer. Allez, grimpe. Crâne. Bon, c'est pas ce que je voulais. Moyen de passer là-bas, non? Ah oui, non, c'est la... Vous sortez de la map. Attention. Retournez au combat, soldat. Alors, bon. Oh, ce piège. Oh putain. Personne s'est bouffé le caillou? Parce que là c'était clairement un piège, donc il va y avoir sûrement des bandits en haut. Et si je me rappelle bien, ils sont difficiles à battre. Yo les filles, la forme. Non, je ne laisserai pas porter le premier coup. Raté. Oh, salaud. Je le tiens. Hop. Voilà. Couché. Boum. Ça c'est fait. Bien sûr qu'on a gagné, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Hop. Où est-ce qu'ils avaient posé leur coffre? Là. C'est quoi? Merde, je voulais le projeter sur la... À part la... Je voulais le projeter donc par la, comment, par la falaise, mais non. Fèche troublante, pourquoi pas. Je vois encore d'autres bandits par là-bas. Ce qui en soi n'est pas un problème, hein, soyons honnêtes. C'est les archers qu'il faudra faire attention. Qu'est-ce que... Vous étiez où, vous? Hop. Bien joué. Alors, j'ai vu qu'il y en a un qui avait des fers sur lui. Il faut absolument récupérer les fers, chers amis. Je vous montrerai pourquoi. Enfin, je vous l'ai déjà montré normalement, mais bon. Un signe de conquérant.
Ah, ils sont peut-être un petit peu nombreux. Ok, on court. Esquive. Et donc, normalement, on va pouvoir utiliser notre nouveau sort. Bien joué. Aïe. 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 Les mecs, aidez-moi. Non, non, je vais pas rester en mode facile. Réessayez. Après ça, d'un point de sauvegarde. La sagesse est fille de l'expérience. Waouh. Ah, quoi? Bouh. Bouh. J'aurais dû sauvegarder. C'était stupide. Mais ils font drôlement mal, hein. Je suis censé être un guerrier en armure, j'ai pas beaucoup de défense au final. Enfin, je suis assez déçu. Hein. C'est la première fois que je meurs dans le jeu. C'est vrai que j'ai pas pensé à me soigner non plus, faut dire. Hop, bouffe. Ça m'immobilise hein, quand même. Hein. Ça m'immobilise grandement. Ces créations sont très fragiles. Très fragiles, je crois pas, non. Non, non. Tu te retiens. What the fuck? Ah oui, c'est le gros. Tu vas me lâcher, oui. Anytime. Tiens, bouffe. Voilà. Donc c'est clairement pas une zone de notre niveau, hein, mais... Hop. Et en plus, on n'est pas aidé par des... Par des pions qui ne sont pas du bon niveau non plus, je pense. Mais bon, en soi, ce n'est pas... Restons-en là. Ça nous apprendra à pas sauvegarder assez souvent. Hop. Je suis vraiment désolé, chers amis, pour l'épisode. Hein. Franchement, ça me... Sur le coup, je me suis dit, bon, j'ai passé un autre jeu. Pour être honnête. Ah, il a déjà jeté le caillou. Bon, bah, cool. Bon, ils sont bons, les bandits. On va pas leur dire le contraire, hein. Elle parle. Ah, mais merde! Couvrez-moi, les filles! Aïe! Aïe! Je me fais comboter sa mère. Tiens, bouffe. 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 Tiens, bouffe. Est-ce que ça fait mal, ça? Allez, bouffe. Dégage. Les fers, très important. Tiens, bouffe. Ça fait mal? Ouais, mais j'aime pas ça parce que nos pions sont pas du niveau. Parce que oui, une fois que vous avez un pion, en fait, le pion ne gagne plus de niveau pour nous, en fait. Il faudra le réactualiser à une pierre. On aurait peut-être dû aller le faire.
On aurait peut-être dû le faire. Alors je vais guérir vos blessures. Mais putain, pourquoi personne le heal? Il va pas tarder à mourir, bah meurs. Ouais, t'as fait une gaffe, effectivement. Il faut que j'arrête d'utiliser toute mon énergie bêtement. Y'a pas quelqu'un là? I've learned new techniques against that foe. Counter after they strike. Bloody hell! Là, on va prendre des coups simples. We have triumphed. Apparemment, il y en a aussi par là. Leave it to me. Armed rogues. Fresh meat. Bloody hell! Voilà. Et de deux. Aïe. Je teste les archers. Voilà. Saphira n'a clairement pas le niveau par contre. Revenir. Revenir après tout. Salut les filles. Aïe. Butez l'archer. Hop. Je perds conscience, mais vous êtes tous en train de crever. Simple séché, hop. Petit coup de heal. Voilà. Un petit peu de lait de rusty patate. Aïe. Je l'ai pas vu venir celui-là. Aïe. Ils ont encore un archer. Il y a un loup. Hop. Meurs. Wow. Ça fait mal ça. Ils sont nombreux ces loups. Voilà. Saphira, qu'est-ce que tu fous si bas? Quoi? Y'en a d'autres? Ouf. Hop, rusty patate et simple séché. Hop, voilà. Bouf. Putain, il est balèze ce con. Tout ça pour 100 pièces. C'est la vexation. Merde, j'ai vu des fers ici pourtant. Ouais, enfin bon. Oh putain. Oh la vache. On a pris des flèches dans le nez, toi. This will restore a bit of health.
On n'a clairement pas le niveau pour la zone quand même, hein. C'est d'une violence. Mais je m'en rappelle de ça. Je m'en rappelle. Hop. Il y en avait un autre, hein, on l'a vu. Il y en a encore d'autres, on les entend, hein. Cependant, on risque de tomber face à des choses un peu plus balèzes. Ah oui, j'imagine que je ne peux pas creuser parce que je n'ai pas de pioche. Voilà. Ok, là ça devient tout blanc. Ok, on est parti dans la bonne zone. Je pense qu'on va, on va y crever, mais le bois de la sorcière. Vous voyez, je vous avais dit. Kina, la voilà. Que fais-tu? Tu es venu me chercher? Bah oui. Forgive me. I would never wish to worry you. Oh bah oui, forcément. But I had to come. A witch walks these woods, one who understands the language of the dragon. Ah, ça c'est intéressant. If I may find her, I will beg her aid in healing your wound. Bien sûr, j'ai plus de cœur, hein, tu peux pas le reconstruire. Will you accompany me? This fog bodes ill. I would walk easier with you at my side. Oui, agrippe-toi à mon bâton. Je parlais pas de mon épée. I've learned what to do in this quest. Take care we're not separated from Kina. Elle est déjà blessée? Mais pourquoi est-elle déjà blessée? C'est stupide. Par contre, j'ai pas le niveau. J'ai pas la santé requise non plus. Ça va être d'une violence. There's no way forward save crossing here. I've learned of this area. This area now. I've been drenched. Je te suis, Rook, hein. T'as l'air de connaître ton chemin. I now know why they named this forest Witchwood. And not just after we see. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ce sont des lapins. Les butez pas, ils vous ont rien fait, ils sont pas maléfiques. Well, thick this forest. Let's head this way. The wood is uncommon dense. Almost as if it means to hide Alter Wing. Perhaps we'll find more of the witch's legacy here. Deflect with your shield! Ha! Then attack! C'est bon, il est mort. Ah non, il y en a un deuxième. Il était balèze, celui-là. What the... Des araignées? Pourriez les abattre? Pas du tout, pas du tout. Bon bah écoutez. Un gros, effectivement. Aïe. Bah j'ai déjà la glace, hein. Je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Putain, d'autres loups. Ok. Jusque là, on s'en sort pas trop mal. Au loup, je prends. Ok. Toujours un plaisir, oui, je me doute. There, master. Wolves. J'ai l'impression que tu m'as perdu, mon pote, hein, mais
C'est de la convient, non? Est-ce qu'on a une carte? Ok, démerde-toi. Yes, we did it. It's been an age since the witch last visited our village. Putain, mais non, mais. I can't be certain she lives here still. Elle pourrait nous suivre. Yet even should we find. Allez, viens. Vanished, we must keep faith. There must be aught here, some small clue. Allez, viens. Ah putain, elle grimpe pas en plus. Hop, bon, j'espère que le tournage se fonctionne bien, pardon. Se fait bien. De l'or là. Quite deep. I wager if you enter these woods, who knows what rarities we'll find. Mais elle ne grimpera pas, Kina, c'est ça? Ok, bah allons-y alors. Ne perdons pas de temps. Ok. Yet, for all the danger. Wow! Non! Les mecs, faites quelque chose, mon dieu! Oh, les cons! J'ai été stupide! Mais relève-toi, mon dieu! Wolves fall quickly to flames! On voit que Pouic, hein. Détruire ce talisman, c'est détruire le brouillard. Bah détruis-le alors. Parfait. Hop. Alors, où es-tu? Là-haut. Parce qu'il y a une putain d'araignée en fait, c'est ça. Voilà. Continuons. Fire, lend thy kiss. Oh putain, j'avais pas vu. On y est. Oh bah le bol. That must be it. Come on, guys. Come on, guys. Bah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai tout fait. Ça ressemble clairement à une zone de combat quand même, hein. Bien ronde, bien faite. Oh, un coffre. Bonjour. Oula. Begging your pardon, but we seek the witch of these woods. Oh. Oula. A great and aged woman. Perhaps you might have seen her. Une femme âgée et savante. Non, c'est elle la sorcière. The witch. You think grandmother? Your grandmother? Yes. Elle est stupide. Where might we find her? I would. Elle est complètement stupide, hein, franchement. On cherche une vieille personne, une sorcière. She is dead. She died, as all must. Oh. Oh merde. C'est what con. What have you then? Know you aught of the dragon? Can you read the worm speak? Gran told me. The faith knows. It cloaks the dragon, cloaks the truth. Alors si vous pouvez peut-être parler en énigme, ce serait cool. Those who search for truth outside the faith are branded heretic. So your grandmother told you not of the dragon, that the faith might leave you be. C'est logique. Yes. C'est très logique jusque là. Then it seems we must turn to the faith if we are to learn more. You have our thanks.
We'll leave you in peace to return to our village. C'est génial. Je viens de me taper une putain de zone difficile pour rien. Et elle est tombée, elle est morte. Voilà, fin de l'histoire. I've learned what to do in this quest. Treasure, perhaps. Anneau d'azur. Du chanvre. Idole en bronze. Des potions. Our goal is met. Une pioche. Putain, ça y est, j'ai une pioche. Et donc, comment je... Enfin, je me démerde pour rentrer, j'imagine. What the... Mais elle est timbrée, cette gonzesse. T'es en train de me dire qu'il y avait un chemin plus rapide? On a pris le chemin le plus long pour le fun? Il y a un coffre, là. Hop, bandeau, si tu le dis. On a pris le chemin le plus long pour le fun, apparemment, chers amis, c'est génial. Quelle pierre étrange? Où ça? Bizarre. Seulement quand il parle, c'est parce qu'il y a un truc qui les trigger. Oui, je fatigue un petit peu, après tout, on n'avance à rien, on n'a pas de monture. Où est-ce qu'elle va nous faire atterrir? Puis si elle nous fait atterrir à côté du village, ça va pas le faire. Putain, on est juste à côté. Épée à deux mains. Ouh. Mais du coup, coffre. Talisman de mage. Mais on est juste à côté. Oh putain. J'ai rien vu. A fallen goblin is an easy mark. Their kind hates ice and fire both. C'est un bouffe. Bah oui, qu'on a gagné, c'est complètement folle. Comment on aurait pu perdre un combat pareil? Ok, et je suis mort. Voilà, crise cardiaque, fin du jeu. Je m'en rappelle de ça, c'était naze. Je l'ai ramené. Si elle agit de la sorcière, c'est parce qu'elle est rongée par l'inquiétude. Oh bah oui, bien sûr. Tiens. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais faire. Par contre, on va aller là-dessus. Enregistrement en cours. Et on va en changer. Au revoir, Saphira. C'est un niveau trop faible. Renvoyé. Tiens, je te donne un pavé de bête. Coûte 300 pièces. L'apparence... Combat 3, assistance. Enfin, non, combat 1, assistance 3. Commentaire. Salutations. Bonjour. Voilà. Rook. Pareil. Envoyé, oui. Donc lui, c'est un pion de base. Ça, c'est un archer. Siméon, niveau 12. Il a l'air assez bien équipé. Par rapport à cela. Je vais prendre elle. Je vais pas prendre un petit machin, parce que sinon ça me ferait bizarre. Et il me faudra un deuxième heal. Gargan, allez hop, c'est parti. Ah, c'est une fille, non. Faut un garçon. Si bon. Mais c'est une fille ou c'est un garçon? S'il s'appelle Simon. Hop. Hop. Faites-en venir d'autres.
Ah, c'est une fille par contre. Lady Lulu. Oh putain. Faith. Ah, par contre, elle a l'air d'avoir un équipement badass. Je partirais plus sur quelque chose qui a un équipement badass, peut-être. Ouais. Yes, Arisen. Je vais partir sur un équipement badass, chers amis. Comme ça, je serai certain de ne pas me planter. Hop. Voilà, la vie n'est qu'une nuit à passer dans une mauvaise auberge. Quelle auberge? Hop, parfait. Bon, de ce côté-là, on est bon. Vous voyez, en fait, j'étais allé dans ce puits-là. Tout simplement. Alors, on va aller voir deux, trois petites choses. Maintenant qu'on est rentré, on va aller voir donc la quête dont je vous avais parlé, donc vous n'avez pas pu voir malheureusement le début. Donc elle est donnée par l'aubergiste. Il y a un voleur en fait qui fait des cycles la nuit pour voler des choses. Voilà. J'ai eu l'occasion de voir le coquin filer à toute vitesse juste après avoir... D'accord. Il était vif comme l'éclair. Si j'avais été moins en colère, j'aurais été impressionné. Hop. Alors, je vais te donner des trucs. Voilà. Au niveau des flèches troublantes. Alors, on va essayer de rediriger un petit peu notre inventaire comme il faut. Hop. Les flèches en question, données. Ah, elle. Parce que moi je suis en moyen donc je vais pas pouvoir courir en fait. C'est là qu'est le problème, chers amis. Là on va aller, vous savez quoi, on va aller directement. Oh, bonjour. Que se passe-t-il? I'd not believe such villainy could be found in Cassidus had I not been a victim myself. Ah, c'est un des voleurs. Le brigand a même découvert mes réserves secrètes. J'en ai jamais parlé. It is clear the felon is not simple vite blessé, mais un voleur a un talent considérable. Devons l'arrêter. Si tu dis. Ah, malheureusement, c'est toi qui vas lancer la quête, j'imagine. Auberge Pablos, oui, voilà. Le moment rapide défonce travers visage en vacances et rapide. Quand le voleur arrivera, je lui donnerai la chasse, mon ami. Vous travaillez aussi, peut-être que vous avez surveillez l'extérieur du village. Je pense que vous l'attraperez facilement et avant qu'il n'ait le temps de voler davantage de marchandises. Alors, des questions? J'aimerais. Voilà, parfait, je peux lui donner ce que je. Déposer. Ok, ça aussi c'est bon. Voilà. Alors là, apparemment on a trouvé un bandeau que l'on ira équiper. Changer d'équipement. Écoutez, on va équiper ça, tant pis. Hop. Alors, maintenant, on va tout simplement sauvegarder et aller s'occuper du vil félon. Hop. En espérant qu'il n'y ait pas de problème encore. Franchement, ça me fout les boules d'avoir eu ce problème. Tout est prêt. C'est le moment, j'ai confiance en vous, mon ami. C'est évident, pour l'insurgé, les voleurs de la petite semaine sont un gibier facile. Attraper le voleur, mais la quête est active ou pas? Où est-il supposé être? Mais non, c'est pas ce que je veux. Le voilà. Hop, je le rattrape en plus. Pourquoi tu... Donkey bastard! Il me traite de quoi là? Mais c'est naze! Tu devrais plonger! Unhand me!
Voilà. Je l'ai eu. En même temps, il est trop con d'avoir ouvert. Hop, bonjour Pablos. Eh ouais, de plus, le caca que vous avez pris a la langue bien pendue. Il a parlé de ses compars. Une bande de voleurs qui sont baptisés le marteau de fer. Ils se sont emparés d'un fort au sud qui leur sert de repère. Ils ont l'air de bien vivre grâce aux marchandises qu'ils dérobent, aux marchands qui passent sur les routes des environs. Si vous devez vous rendre dans le sud, méfiez-vous de leur clic. D'accord. Mission complétée. Alors, chaise particulière, la chaise du savoir. Bah écoutez, on y va. On va aller voir notre Oui. Compris, je dois toujours récolter le plus d'objets possible, peu importe la situation. Voilà. Oui, tu peux parler. Should I fall and you see fit to help me? In what manner can I thank you? Timide. If it pleases you. My all is yours to shape, master. Should I suffer a deadly blow, how shall I voice my anguish? It shall be done. D'accord, c'est tout ça en fait. Je pensais que ça allait être plus intéressant que ça. Seraph, bonjour. Seems our thief is eager to mend his ways. Perhaps there's aught we may do to ensure it. Pas de mission, il n'y a aucune mission disponible. Seems a fair place to rest. Ok, donc on est le matin. Ok, pourquoi pas. Are your travel preparations complete? Non, faut que j'aille voir, bah si, plus ou moins. Maintenant que j'y pense, si, t'as raison. Ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va descendre. On va les buter, donc quelques... Ça vous permet de voir en fait la zone en question. Ce qui est marrant, c'est que je débloque les, comment, les succès que maintenant, donc je comprends pas pourquoi. Utiliser. Voilà. Et donc vous allez voir quantité de rats, donc on a dû buter. Hop. Et donc par là, on a pu voir aussi un paquet de chauves-souris. Voilà. Hop. Et une de moins. Donc ce sont des chauves-souris qu'on va devoir aller farmer, entre guillemets. J'aimerais bien qu'il y en ait autant qu'il y ait des rats. Ce serait génial. Niveau 13, bah écoute, génial. Et donc, ah mince, ils ont complètement disparu du coup. Il y avait là à la base des espèces d'ennemis lézards. Veillez à ce que la lanterne ne soit pas mouillée, effectivement. Ce serait mieux. Bah écoute, t'es parce que t'es rentré dans la flotte. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Alors, il me semble qu'il y avait un coffre ici, mais il va être ouvert forcément. Oui, bon. Serpent. Hop. Je ne vais pas fuir. Salut les filles. Vous n'étiez pas là la première fois que je suis venu. Hop. Aïe. Non, non, tu t'enfuiras pas, non mais oh. T'as cru, toi? Le mec, je vais le laisser s'enfuir comme ça, genre, en l'air de rien. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Une fiole de poison. L'or. Hop, pourquoi pas. Donc voilà la zone, en fait, que vous avez ratée, chers amis. Malheureusement. Et vous voyez, donc, comme je vous l'avais dit, ça nous renvoie... Quand on tue de grands rêves, il coule beaucoup de sang. Si tu le dis. Et ça nous renvoie, donc je vous avais dit tout à l'heure, à la fameuse caverne ici. On va sauvegarder. Oui. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est loin? Non, on n'est pas très loin normalement du campement pour améliorer nos coups. Je pense qu'on va aller faire ça.
Hop. J'ai pas envie d'aller faire les bandits tout de suite parce que comme vous avez vu, ils sont extrêmement forts comparé à nous. Hop. Bonjour. Compétences. Apprendre des compétences. Voilà, on a quelques points, vous avez pu voir. Hein. Proche d'âme, on a rien de nouveau. Ok. D'accord, on a un ami qui me demande. Est-ce que c'est quelque chose que je dois équiper, ça, ou... Limitant les dégâts, ça peut être pratique, ça. Oui, j'imagine. Donc ça allait bien avec le reste. Ok. Apprendre des compétences. Comme on a pu le voir, en fait, je passe beaucoup de temps au sol. Ce qui est assez triste. Ça, c'est parfait. Ça aussi. Ok. Non, au final, il n'y a pas grand-chose à... J'ai pas pensé à les équiper. Nul si j'ai oublié ça. Ok, bon. Non, c'est bon, je te remercie. Et bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, nous faire trouver dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode aussi. Donc vers mon partenaire GameSpan.com qui m'a gracieusement offert Fallout 4, Star Wars Battlefront. Donc Agatha Christie, The Abyssy Murders, Mad Max, tout ça, que des jeux excellents et donc qui permet aussi d'avoir, si vous le souhaitez, des jeux à des prix réduits comme ce Dragon's Dogma Dark Horizon qui est toujours aussi bon, même si je n'ai pas eu malheureusement de chance avec le précédent tournage entre guillemets. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et je sauvegarde pour être sûr que tout se passe bien. Blah, voilà, allez, à plus les gens.